Salut à tous, salut bande nostalgique et salut les joueurs de Dokkan Battle, c'est Jason V, encore fidèle au poste en 2020 pour vous servir, donc tout de suite je vous souhaite la bonne année, mes meilleurs voeux, plein de bonnes choses pour vous, et bah, je vous annonce que le compte Dokkan Battle est officiellement distribué, donc j'ai eu un peu de mal à trouver et à réussir à contacter le gagnant, donc j'ai même fait 3 tirages pour être honnête, pour pouvoir en fait finir par trouver un gagnant qui me réponde. J'ai laissé 2 jours à chaque personne contactée pour pouvoir me répondre, donc les 2 premières personnes, désolé, n'ont pas pu avoir de compte. Je ne donne pas de nom, hein, comme l'année dernière. Parce que l'année d'avant, j'avais donné les noms directement, j'avais fait le tirage en direct, et il y a eu des soucis, hein, des gens qui se faisaient passer pour le vainqueur pour essayer de récupérer le compte, comme quoi ils ne l'avaient pas vu, donc ils se sont fait passer pour le vainqueur auprès de moi, ils se sont fait passer pour moi auprès du vainqueur, donc ce qui explique pourquoi je ne fais plus les tirages en direct, et je les fais en privé, ça marche beaucoup mieux comme ça, au moins le vainqueur est tranquille, il ne se fait pas harceler. Et donc voilà, le compte a été gagné. Je te remercie à toi d'avoir joué. La bonne réponse, bien sûr, pour gagner, il fallait s'abonner, bien sûr. Liker la vidéo si possible. Mais il fallait surtout répondre Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Et non pas juste Dragon Ball Z Battle 22, comme beaucoup l'ont mis au début. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a eu plus de 100 réponses pour participer au compte. Avec à peine 70 vues donc sur la vidéo en question, où vous pouviez trouver la réponse. Donc c'est rigolo parce qu'au début tout le monde trouvait la bonne réponse, enfin tout le monde trouvait la même réponse parce qu'une personne avait donné le Dragon Ball Battle 22. Ensuite il y a eu du Ultimate qui est apparu, donc je dis pas que tout le monde a triché, même si à mon avis il y en a pas mal quand même qui n'ont pas vraiment joué le jeu et qui n'ont pas regardé toutes les vidéos pour essayer de chercher où est-ce qu'il y avait la bonne réponse. Bref, le compte a été gagné, je vous remercie quand même de vous être abonné, surtout ne faites pas comme il y a eu l'année dernière le désabonnement puisque vous n'avez pas reçu le compte. Si vous avez pu découvrir la chaîne, c'est qu'il y a quand même eu quelque chose qui vous a intéressé. Si c'est juste le Dokkan Battle, je vous remercie pour ça. S'il y a autre chose qui vous a plu, merci encore plus. Et donc restez fidèles à la chaîne parce qu'il y a énormément de contenu qui arrive cette année. Et voilà, je vous présente le compte depuis tout à l'heure. Le nouveau compte avec les nouveaux persos que j'ai chopé cette année, donc qui vont me permettre de monter un compte Dokkan Battle. J'espère qu'il sera encore meilleur cette année pour l'offrir à la fin de l'année 2020, comme je le fais chaque année depuis 4 ans. Donc on recommence à zéro, et puis voilà. Donc j'espère vraiment que vous êtes content d'avoir pu participer, d'avoir eu cette chance de gagner le compte, même si ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Malheureusement, on peut pas cloner les comptes. Et puis je vous dis merci beaucoup, encore à bientôt, et encore une fois, très bonne année, joyeuse année 2020, bonne santé à tout le monde et surtout restez nostalgique, et continuez de jouer à tous les jeux, tout type de jeux, parce que les jeux, c'est quand même la vie, hein, c'est ce qui nous permet de nous évader. Et même si certains nous disent que les jeux, ça nous permet de devenir des gros neuneux, ne croyez pas ce qu'on raconte, hein, ne vous fiez qu'à vous, tous les jeux sont bons à prendre et l'important c'est de s'amuser. Voilà, c'était Jason V, merci à tous. Et bonne soirée et bonne nuit. Can you take me home?